Et salut tout le monde, c'est Megacy. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le 30e épisode de notre Let's Play sur Super Mario Bros. Wonder. Oui, dans cette vidéo, on va devoir tout simplement acheter au fur et à mesure les panneaux qui nous restent. Parce que déjà, vu le nombre de panneaux qui nous restent, vous voyez bien, hein, bon là c'est les achats. Mais pour regarder, si vous voulez voir tous mes panneaux qui me restent, j'en ai vraiment même pas la moitié. Hein, j'en ai que 33 sur 144, donc voilà. Donc dans cette vidéo, on va pouvoir faire l'effort de tous les avoir. Et bien sûr, si j'ai pas assez de pièces violettes, et bah j'essaierai de les récupérer dans les niveaux au fur et à mesure. Ou alors j'essaierai de les acheter quelque part. Vous verrez bien. Enfin bref, écoutez, on va se faire plaisir. On va pouvoir commencer à acheter les premiers. Donc vous voyez, j'ai 975 pièces violettes. Donc normalement, ça reste parfait pour en acheter. Bon, ok, par quoi commençons? Bon, allez, on va commencer par mon perso favori, hein, les taux de bleu. Et après, par Mario, on verra bien. Donc, est-ce qu'on tente d'aller plus vite ou pas? Bah, pas trop quand même. Comme ça, ça fera encore plus de temps de vidéos. On verra bien. Alors, que va être ce panneau? C'est tout en éléphant. Taux de bleu, éléphant, hein, parce qu'il y a taux de jaune aussi. C'est vrai que c'est bizarre qu'ils ont inventé un taux de jaune et un taux de bleu. Comme dans Mario Bros. Wii, bien évidemment. Bien sûr, aussi dans Mario Bros. Wonder, bah, il y a presque tous les persos. Il y a un Yoshi, il y a Toad, il y a Peach, il y a tout. Il y a presque tout MDR. Voilà. Le dernier. Voilà. Heureusement qu'on peut avoir des persos, des panneaux qu'on n'a pas. Parce que si c'est des persos qu'on a déjà, bah là, ça va rester compliqué. Donc oui, bah évidemment, c'est épuisé. Donc on a déjà fini ce stock de taux de bleu. Maintenant, on va peut-être enchaîner. Bah, est-ce qu'on ne serait pas un au hasard? Même si c'en est déjà un qu'on a déjà eu. Voilà, comme celui-là. Donc on va pas en faire un au hasard, hein. On va faire comme ça, voilà. Allez, Mario, qu'est-ce que ça va être? Mario qui se pose la danse. Allez, bon, on achète, hein. Mario qui nage. Mario qui... Mario de feu. Bah, c'est vrai qu'il y a plusieurs pouvoirs. Mario en éléphant, non? Non, Mario à pic. Là, c'est Mario à l'éléphant. Mario en éléphant. Et bah ouais, j'avais raison, ça mérite 10€, non je rigole. Ça va être ici. Voilà, Mario bah, Baudruche. Là, Mario à bulle. Mario accroupi, c'est vrai qu'il connaît l'accroupi, il y a juste son chapeau et tout, ça me fait un peu rire. Mario bondi, c'est vrai qu'il n'y a même pas Mario gélatine en fait. Hein. Et même pas le pouvoir de gélatine aussi. Peut-être que si, bon, je sais pas. Bref, et bah écoutez, Mario c'est fait. Le stock il est épuisé. On a encore tout ça à faire, de toute façon, vous allez voir. On va continuer avec Luigi, tiens. Non, avec Todd John, tiens. Mon deuxième perso favori, hein, parce que comme c'est le bleu, le mien, bah voilà. Le deuxième, du coup, c'est Mario Todd John Baudruche. Hein. C'est pas Mario, bien évidemment. Ici, c'est. Toad jaune en éléphant. Pourquoi je dis Mario? Sérieusement, c'est pas Mario lui. Là, c'est Toad jaune foreuse. Ouais, Toad jaune avec le pouvoir, il peut creuser là. Comment il s'appelle? Là, c'est Toad jaune boule à pic. Je parie que le prochain sera Toad jaune épique, épice. Non, Toad jaune à bulle. Avec les roses, tu vois. De couleur jaune rose. Avec le rose, ça me fait rire à peine. Toad jaune en combat. Ah si, Toad bleu aussi, bien, bah je pensais pas. Hein. Et bien sûr, Toad jaune bondi, c'est pas épice. Voilà, épuisé, donc je pense qu'on va faire... je vais aller faire un niveau. Comme ça, ça pourrait me permettre d'avoir plusieurs jetons violettes. Donc bougez pas, je reviens. Et déjà, avec 248 violets, vous pouvez pas le voir, je sais, en haut à gauche. Parce que avec le logo Super Mario Bros. Wonder que j'ai placé, c'est compliqué pour voir. Mais bon, j'ai 248, je vais essayer de voir si je peux déjà dépenser tout ce que j'ai. Sur lequel? Alors, je vais tester sur... on va tester sur Yoshi, tiens. Yoshi, allez, on va prendre tout sur Yoshi. Je sais pas si je peux tout prendre. Et bon. Allez, on va tout faire, hein. Parce que bon, faut qu'on aille un peu vite. J'essaie de tout avoir. Ouais, c'est compliqué pour tout avoir. Je pense que j'en laisserai un ou deux. Voilà, Yoshi est pleine. Yoshi qui gobe. Yoshi, bah voilà, qui fait tout ce qu'il peut. Yoshi Gompa. Je sais même pas qu'il peut s'exister en Gompa. Voilà. Et puis après, bah je peux plus.
Et ouais, pour ça, il faut que j'aille encore en chercher dans les niveaux. Ou voir si je peux pas en acheter quelque part, mais bon. Voilà, et bah écoutez, bah je vais aller en rechercher encore, je vous tiens au courant. Pour l'instant, je reviens, j'en chercherai plusieurs. Donc, actuellement, là, cette fois-ci, j'en ai 223, donc ouais, je peux pas. Pour qu'on fasse plus, ouais, faut que je coupe la vidéo pendant un certain moment parce que ça prend en effet un peu de temps. Donc, on va déjà finir Yoshi. Ça en fait un de plus. Voilà, Yoshi, il est complété. Donc là, j'en ai 193. Donc, si je regarde le stock, enfin, ma collection de panneaux, est-ce qu'il y en aurait 6 qui ne sont pas encore affichés? Carotin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, non, sinon, il y a le carotin. Enfin, on va continuer avec carotin, tiens. Ouais, je sais, j'ai une porte de panneau, ouais, beaucoup de portes de panneau, ça se voit. Donc, il est au carotin, il est là, on va continuer avec lui. Donc, on va pouvoir finir carotin, même si j'en ai pas encore assez. Parce qu'après, je coupe la vidéo pendant un certain moment, comme je le dis. Voilà, carotin accroupi. Oh, un beau carotin, et le dernier, enfin, pas le dernier, mais bon, mon dernier. Voilà, donc on en est actuellement à 74, donc on en est à la moitié, c'est 72. Donc là au moins on en est, voilà, comme je dis à la moitié, je vais probablement encore une fois couper la vidéo et je vous tiens au courant dans un certain nombre de minutes pour savoir si j'en ai encore pas mal de pièces du LED. Bougez pas, je reviens encore une fois. Alors, re gens, ça fait à peu près un moment où j'avais pas donné cette vidéo, pile le moment où j'ai mis pause à la dernière. Oui, parce que bon, je voulais te regarder en off, mais bon, comme ça prenait du temps, je voulais garder la suite pour la prochaine fois. Bref, alors, je vais vous montrer ma collection. Donc, comme vous pouvez le voir en haut à droite, j'ai 111 panneaux sur 144, donc il m'en manque 33. Du coup, j'ai tryhard le jeu jusqu'à 999, hein, le maximum. Et si on peut bien voir en haut à gauche le nombre de pièces du LED, donc je pense pas que vous pouvez voir, mais j'en ai bien 999, et bien la somme maximum. Donc on va pouvoir maintenant tous se dépenser dans cette partie de vidéo, et tous en vidéo. Donc vous pouvez le voir là, ce qui me reste c'est bien le Yoshi rouge, jaune et bleu, et la Toadette, Daisy et en plus. Donc j'ai quelque chose à vous dire, c'est parti, on va commencer, enfin c'est reparti plutôt. Donc on va commencer avec le Yoshi rouge, tiens. Voilà, donc on peut tout de suite en dépasser, je pense que ça va faire un maximum, parce que 33 x 30 ça fait bien 990, donc je peux tous les avoir au maximum. Donc c'est parti, on continue. Ça c'est une petite vidéo courte, hein, j'ai l'impression. Alors voilà, on continue, rouge qui perd. Yoshi rouge combat. Et le dernier, Yoshi rouge boulabic. Il y a des moments aussi où j'ai fait ce panneau de surprise là pour obtenir un aléatoire également. Il y a des moments où j'ai eu de la chance parce qu'il y en a un où j'avais pas, mais d'autres j'en ai eu très peu des choses que j'avais déjà. Hein. Donc pour vous dire que j'avais eu de la chance. Passons maintenant au Yoshi jaune. Donc là, Yoshi qui plane, Yoshi qui nage, Yoshi sur un nuage avec un look bizarre. Ouais, parce qu'il a mangé un son, on a l'impression. Yoshi baudruche. Yoshi jaune bondisse. Yoshi jaune gomba. Et Yoshi jaune boulabic. Ok. Maintenant, on va passer au Yoshi bleu cette fois-ci. Alors, Yoshi bleu ciel baudruche. Ah, bleu ciel, pas bleu normal. C'est la même chose. Yoshi bleu ciel qui nage. Yoshi bleu ciel qui pose. Ici, j'attends rien du tout. Ok. Yoshi bleu ciel qui perd, ça fait rien. Yoshi bleu ciel sur un nuage. Yoshi bleu ciel qui gobe. Ouais, qui veut manger quelque chose. Yoshi bleu ciel accroupi. Yoshi bleu ciel bondisse. Et Yoshi bleu ciel blabic. Et bah oui, j'avais raison. Et donc voilà, il m'en manque plus que 11, donc il me manque plus que Daisy et Toadette. On va continuer avec Daisy, parce que Toadette, hein, c'est l'épouse de mon perso favori. Enfin, l'épouse, je veux dire, je sais pas si c'est vraiment l'épouse, mais c'est l'amoureuse, quoi. Donc, perso favori. Allez, Daisy bondisse. Et Daisy boulabic. Il m'en manque plus que 8. Et on va finir avec Toadette. Toadette baudruche.
Toadette foreuse. Toadette éléphant. Toadette qui pose. Toadette qui nage. Et là, Toadette à bulle. L'avant-dernier. Toadette pour la bique. Et pour finir, parce que là, ça va être le dernier. Toadette, bon 10. Et ben voilà, je les ai. J'ai tous mes panneaux surprises. Je vais y arriver. Et donc voilà, ce qui me fait, je pense, une médaille en plus. Ok. Et ouais. Toutes les panneaux, voilà, une médaille en récompense. Ça vous en fait deux. Et ouais, mon gars. Je suppose que maintenant, bah, les autres médailles, il faut les obtenir en récompense en tous les niveaux. Donc bref. Bah écoutez, je pense qu'on va faire les niveaux impossibles la prochaine fois. Donc là, déjà, j'en avais réussi un ici, ouais. On l'avait fait dans l'épisode 15, si je me trompe pas. Donc, bah, il y en a un ici, forcément, il y en a un là, il y en a partout, il y en a partout. Mais il faut que j'aille dans les mondes pour les récupérer et les chercher. Et bah, écoutez, on fera ça bah, la prochaine fois. Donc là, c'est juste une petite vidéo pour réaliser toute la collection de panneaux surprises. Et donc, voilà, ça, c'est fait. Bah, écoutez, j'espère voilà, que cette vidéo, et bah, elle vous aura plu. On fera ça la prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine! Do 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 do.